Good morning, allez-y dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Moul Mervi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah bat Hanna Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que le Refouat, Sarah bat Betty, Rivka, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, Perek Tet, 5e minute éternelle, nous étudions le Sarah Menachot, Perek Tet, Mishnah Bet, Sheva Midot, Shel Lach, Hayu, Bamikdash, Hin, Vachatzi Ha'in, Ushlishit Ha'in, Urviit Ha'in, Log, Vachatzi Log, Urviit Log. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, Shnatot Hayu Bahin, Adkan la Par, Adkan la Ail, Adkan la Keves. Rabbi Shimon Omer, Lo Haya Sham Hin, Vechime Haya Hin Meshamesh, El Amida Yetera Shel Log Umechza Aita, Sheba Haya Moded El Minchat Kohen Gadol, Log Umechza Baboker, Ulog Velog Umechza Ben Ha'arbaim. Et on traduit tout de suite, on a vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait deux midot pour mesurer les oblations solides, les poudres, en l'occurrence la farine. Et à présent, on va découvrir qu'il y avait 7 midot. Sheva midot shel lach, hayu bamigdash. Il y avait 7 mesures, 7 dosettes, 7, d'accord, ustensiles, verre doseur, qu'il y avait pour. Excusez-moi. 7 verre doseur de liquide, il y avait au bet amigdash. C'est-à-dire, si pour le solide, on se débrouillait avec uniquement un issaron et un chati issaron, et quand il y avait besoin de mettre trois issaron, on refaisait trois fois l'opération, par exemple, et bien pour les liquides, ce n'était pas comme ça. Il y avait sept verres doseurs, où il y avait là-bas sept différentes mesures qui allaient du plus grand au plus petit. Il y avait le hin. Hin, c'est une mesure qui correspond à 12 logs. Après, je vais reprendre et on va synthétiser en convertissant tout sur la même mesure, mais pour le moment, hin, un hin, chati hin, la moitié d'un hin, ou shlishit ha'in, le tiers d'un hin, ou vit ha'in, le quart d'un hin, et le log, on a passé d'une autre mesure, va chati log, ou vit log. Et donc ça vous fait cette mesure. On va tout convertir en log. Ouais, vous vous rappelez, dans le eskalav, eifa se'akav, log, en fait, il y a au-dessus de la CA, il y a une mesure qui fait 2 CA qui s'appelle le Hin. On l'utilise pas en général. La Gemara explique que c'était une mesure qui se trouve dans la Torah mais qui n'était pas utilisée ensuite à l'époque de la Mishnah. Donc on ne le retrouve plus en général dans la Mishnah Yot, si ce n'est lorsqu'on se réfère au Pasuk. Là, en l'occurrence, on le mentionne, c'est le Hin. Le Hin, il fait 12 log. Donc en fait, si vous voulez savoir maintenant, Hin, ça fait 12. Chatsi Hin, la moitié d'un Hin, ça fait 6. Donc retenez les chiffres, ça va nous faire 12, 6. Ou Shlishit Hin, le quart, ça fait 4. Le tiers, excusez-moi, ça fait 4. Ou Vit Hin, et le quart, ça va faire 3. D'accord ? Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Ensuite, on est passé au log. Donc en fait, ça fait que pour le moment, on a 12, 6, 4, 3. Et on chute maintenant au log 1. Log, un demi-log, orvit log et un quart de log. D'accord? Il y avait besoin au Beth Amigdash d'avoir donc ces 7 mesures pour mesurer toutes sortes de liquides qu'il fallait apporter. On apprendra ensuite, déjà dès cette Mishnah, on va apprendre pourquoi il fallait certaines mesures, et dans la prochaine Mishnah, on découvrira pourquoi il fallait encore toutes les autres mesures. Une précision que j'ai pensée, que j'ai vue écrite nulle part, mais quand même, je pense qu'il est juste. C'est que pour le solide, on se contentait de refaire l'opération lorsque, par exemple, on avait vu qu'il fallait 3 issarod pour une vache. Alors, ouais, pour un taureau, 3 issarod d'oblation de blé, et pourtant on avait une seule mesure d'un issarod, on faisait 3 fois l'opération, et on se contentait de ça, et c'est tout. Alors, du coup, j'ai une question qui s'est posée, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste un log et tu réitères le procédé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, selon la nécessité? Pourquoi pour les mesures du solide, tu t'es contenté d'une seule mesure, d'un seul verre doseur, que tu recommences l'opération 3 fois, et là, pour les liquides, tu prévois un verre doseur pour chacune des quantités requises, comme ce qu'on va voir, selon le corban que tu apportes ou pas. J'ai pensé à une réponse très simple et très juste, je pense. C'est qu'en général, les liquides gras, surtout si on parle d'huile, et même le vin, il y a toujours une part du liquide qui reste collée sur les parois. Donc en fait, si je te demande de remplir une quantité de 3 logs en refaisant 3 fois l'opération avec, en remplissant le verre qui fait 1 log, et il va y avoir à chaque fois
une quantité non négligeable qui va rester collée sur les parois. Tu vas remplir le deuxième, ça va rester collé. Et puis au bout du compte, ta mesure de 3 logs, elle ne va plus être exacte. Quoi. Tu ne vas plus atteindre 3 logs. Ce que je pense, que c'est pour ça que pour les mesures des liquides, il y avait plus de verre doseur. D'accord. Maintenant, Rabbi Eliezer Bar Tzadok Omer. Selon Rabbi Eliezer Bar Tzadok, Shnatot Hayubahin. Il y avait des graduations. Shnatot, littéralement, je crois que ça vient du mot chaîne, comme une dent. C'est qu'en fait, il y avait plusieurs graduations. Il y avait des signes, comme ça, des incisions, qui se trouvaient dans le hin. C'est-à-dire, on avait un seul grand verre qui faisait un volume de 1 hin. Et là-bas, il y avait plusieurs graduations, plusieurs traits, où il y avait écrit là-bas Adkan la par, Adkan la haïl, Adkan la keves. Jusque-là pour le taureau, jusque-là pour le bélier, jusque-là pour le keves. Comme ce qu'on lit dans le Korban de Rosh Chodesh, Beniskehem chatzi haïn yé la par, ou shlishit haïn la haïl, ou vit haïn la keves yaïn. Il y a marqué là-bas que tu devras apporter pour un par. Lorsqu'on a apporté par exemple les corbanotes de Rosh Chodesh, quand on nous a demandé d'apporter par Echad, un par, un par ou deux par, des fois c'est deux par, je ne vais pas me tromper, c'est pas grave, en tout cas la Torah l'a dit d'apporter, en l'occurrence, de l'espèce des taureaux. Lorsque tu apportes le taureau, tu dois apporter trois isaron de semoule, avec l'huile requise, et aussi donner aussi un chatzi ha'in, apporter un demi-hin, donc six logs. Et lorsque tu vas apporter le haïl, les béliers, alors pour le bélier, tu dois apporter 4 logs. Et alors, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on avait un seul grand ustensile, où il y avait là-bas marqué les 3 mesures. C'est-à-dire le grand ustensile, c'était le hin, si on le remplissait entièrement. La moitié, il y avait marqué là-bas un signe qui te disait jusqu'ici pour un taureau. Deux niveaux en dessous, maintenant, 2 douzièmes de moins, il y avait là-bas, donc niveau 4. Alors il y avait marqué là-bas jusqu'ici pour le bélier, et en dessous pour le mouton. D'accord ? Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon, lo haya sham hin. Bichlal, il n'y avait pas du tout de mesure de verre doseur qui s'appelait le hin. Pourquoi ? Vechime haya hin meshamesh. Qui avait besoin d'utiliser un hin ? C'est-à-dire, en fait, c'est très simple. Il y a, on va voir encore dans le sud de la Mishnah, chacun des verres doseurs, c'est pour un rituel particulier. Si c'est parce que tu apportes un mouton, c'est parce que tu vas devoir remplir l'huile de la menorah, si c'est parce que tu vas devoir, toute chose que tu vas devoir faire, alors pour eux, il y a un verre doseur spécifique. Mais va voir dans la Torah, tu trouveras que nulle part la Torah m'a demandé d'apporter un hin entier. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire un hin? C'est pas logique ton histoire. Du coup, Rabbi Shimon va me dire qu'il y avait une autre mesure. D'abord, je veux juste répondre pour Chachamim que malgré tout, il y avait quand même un hin. Il y avait un hin parce que au tout début, à l'époque du premier du Mishkan encore, lorsqu'on est encore dans le désert, là-bas il a fallu faire une huile d'onction. Moshe Rabbeinu a eu l'ordre de faire une huile d'onction. Et là-bas il a fallu une dose de un hin. Et du coup le Bartanora rapporte que c'est resté aux générations à venir, que cette mesure-là, elle restait, il y avait toujours cette mesure-là dans le Mikdash, même si elle était plus, elle était devenue obsolète. Il n'y avait plus aucune nécessité à notre époque, à leur époque en tout cas, d'utiliser ce hin malgré tout, puisque Moshe Rabbeinu l'a fait, alors on continue avec. Maintenant, selon Rabbi Shimon, puisqu'il n'y avait pas d'utilité, donc comme Moshe Rabbeinu l'a fini de faire son Shemen Amishra, l'huile d'onction, eh ben, on l'a enterré, cette mesure, et c'est fini, on ne l'a plus utilisée. Et alors quoi? Selon Rabbi Shimon, il faut malgré tout 7 midot. Alors, selon Rabbi Shimon, il y avait une autre mesure supplémentaire. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Dans les mesures, on a dit qu'il y avait 6, 4, 3, et on avait dit qu'il y avait le 1, et après demi et quart, ben selon Rabbi Shimon, tu rajoutes entre le 1 et le 3, tu rajoutes là-bas 1 et demi. D'accord? Pourquoi faire? Et la Mida Yetera, il y avait une mesure, un verre doseur supplémentaire, Shel Log ou Merza, qui avait une mesure de 1 log et demi. Haïta, qui était là-bas. Sheba Yamoded le Minchat Kohen Gadol. Grâce à cette mesure, ce verre doseur, il mesurait la quantité d'huile, donc, pour le Kohen Gadol, que quoi? Log ou Mechatsa baboker, ve log ou Mechatsa ben arbaim. Un log et demi le matin et un log et demi le soir. On explique. On continue sur le Chavite Kohen Gadol qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente. Chavite Kohen Gadol, certes, comme ce qu'on avait appris,
tu dois séparer la farine en deux et les faire, il fallait 12 pains, mais en fait tu les fais avec 6 et 6 parce que tu séparais la farine en deux, et bien même l'huile, il fallait prendre, c'est vrai que tu dois porter 3 logs, mais même pour l'huile, tu vas pas prendre les 3 logs et tu les mélanges comme ça, pas du tout. Tu dois les séparer en deux, mettre la moitié de l'huile qui va être utilisée pour les menachot du matin et l'autre moitié pour les ravitei kohen gadol de l'après-midi. Donc il fallait penser à une mesure particulière qui s'appelait le log ou merchatza. Donc log ou merchatza sheva ya moded le menachot kohen gadol, il y avait un log et demi que grâce à elle il mesurait les ravitei kohen gadol, la fameuse oblation spéciale du kohen gadol qu'il apportait tous les jours, log ou merchatza baboker, un log et demi pour le matin, ve log ou merchatza ben arbaim, et un log et demi pour l'après-midi, et surtout pour aujourd'hui, juste une journée pleine, de tzachakol tout cela.